Au début, quand on a commencé de marcher, on était confus par l'énormité du thème, par le fait que la route doit avoir des milliers d'histoires, et on ne savait pas comment les sélectionner. Mais à fur et à mesure qu'on marche, l'histoire, la seule vraie histoire de la route, se tisse elle-même, avec tous les petits indices, les bribes, les traces. Alors, il suffit en fait de récolter et de se laisser aller sans rien imposer. C'est quand on essaye d'imposer l'histoire qu'on pense qu'on doit raconter que ça se falsifie. Tandis que si on est juste une sorte de filtre et on ramasse ce qui traîne dans n'importe quel ordre et sans jugement préalable sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, bah, peut-être c'est comme ça à la longue que la seule histoire de la route se construit. Et que nous, on n'a rien à faire sauf être là pour le témoigner. Eh bien oui, c'est pourquoi ça s'appelle witness, témoin. Parce qu'on n'a rien à faire sauf témoigner.